Est-ce que vous voulez dire un ananas, c'est connaître un peu les sud-glaces. C'est pour que ouais, c'est bien, pour que, comme il pleut là, ah oui, c'est bien, hein. Que je puisse. Vous pouvez récupérer les bâches jaunes, s'il vous plaît. C'est comme si la presse française s'intéressait à Schröder d'un coup qui reviendrait à la politique. Ah, mais c'est pas qu'est-ce qu'il vous dit? Non, en fait, c'est une valse, le plafond, c'est un peu là-bas. J'ai mis tout la roue de mais même par rapport à la mais on est dans un rythme quand même. Tac au tac, mais ça va bien enfermer dans un truc. Quotidien, c'est du coup, on tient que ça. Ça va aller, ça va remonter encore. Bah, de Ben qui va dire. C'est bon, tu parles de la. C'est un match permassif. Il y a, en 2012, lorsqu'on est venu, vous étiez encore là-bas. Vous étiez déjà. On est venu quand Jean-Marc est revenu. Oui, c'est pas moi qui coupais celle. C'est ma collègue Christelle de la Garcia. D'accord. Et vous êtes venu exprès à Berlin, mais juste pour la séquence Berlin, pas oui. Pour non, c'était trop compliqué. C'était trop compliqué, on me disait qu'on ne pouvait s'accréditer qu'à un seul endroit. Oui, c'était vraiment très compliqué. Pour nous, ça a été un cauchemar logistique, parce qu'avec plusieurs groupes à gérer, qui avaient... Ouais. Voilà, là, il y a, par exemple, il y a un groupe qui est parti théoriquement avec le cortège, mais le cortège est parti avant. Ah. Impossible à gérer. En plus, on me disait que... Les confrères devaient partir de Stuttgart, devaient rentrer en train. Parce qu'il n'y avait plus de vol et tout ça. Non, mais c'était... Non, c'est la folie. C'était la folie. Je ne vous cache pas que même nous, on n'était pas prévus ni sur les avions, ni sur les trains. Il fallait qu'on se démerde nous-mêmes. Je suis... L'échange Merkel. Ah, pas mal. L'échange Merkel, ça autant dire que c'est pas ça. Même vis-à-vis de ça, même en politique, même vis-à-vis de tous les partis, elle s'exprime comme ça. C'est comme ça qu'elle tient depuis si longtemps. Vous l'avez trouvée alors? Ah, j'ai pas eu le temps de la trouver. J'ai juste eu un petit moment où j'entendais qu'on parlait de Nicolas Sarkozy. Pour le reste, j'ai couru entre mon téléphone et des journalistes. C'est classique, quand on fait une conférence de presse à la chancellerie, on sait après ce qui s'est passé. Bonjour, parce que demain il est prévu qu'il refasse pour bon. Demain. Bah demain, rien. Ah, bah alors, voilà. Ah, mais peut-être que l'éclaircie ne viendra qu'en début d'après-midi. Je peux pas garantir. Hein.
Non, là, on a eu 3 jours près de Trento. C'est l'automne, là, donc. Ça devient sous temps. Fin septembre, à Berlin, c'est l'automne. C'est plus l'été à venir. C'était quand même mieux organisé. Il y avait assez de vol, il y avait le programme en ligne. C'est pas les belles équipes, hein. C'est des équipes qui n'ont pas forcément l'habitude des voyages à l'étranger. C'est à 15h30, à 16h, bon, je pense que à 17h, ils finissent la crise. Ah oui, dans l'hôtel, il y a un réseau. Mais c'est ça qui est intéressant. Ça, il y a un truc là-dessus à l'intérieur. C'est le monde commercial. Mais les ministres, moi, on se disait. Il arrive cet après-midi à 11. Ah, d'accord. Ça peut servir au papier. Parce que lui, c'est leur thème de l'année, je ne suis pas sûr. Ils sont dit. C'est très très minuté. Et en plus, c'est vrai qu'il y avait de gros problèmes de place. Ouais, ça, je suis confiant. Ah, bah la preuve, c'est que moi, si j'avais dû aller à Stuttgart, j'y allais en stop. Hein. C'est... Non, les membres de l'ambassade n'étaient pas prévus sur les avions. Même pas. Non, non. Comment c'est possible? Ah, oui, je sais pourquoi. L'Elysée phagocyte tous les avions avec l'ONU, là. Oui, non, mais c'est. Donc tous les avions, voilà. Un peu Falcon, PR, voilà. Machin, République française. Je suppose, en tout cas, ils n'ont pas eu de gros avions. Parce que Hollande est part à New York. Il y a plein de. Ouais, mais du coup, ça a mobilisé les avions. Les avions qui sont peut-être à disposition de Valls, c'est trop facile. Ah bon? Alors, Solène, je sais plus ce qu'elle prend. Et parce qu'Air France est en grève encore, Paris. C'était ça qui posait encore plus de problèmes. C'est qu'en plus, il y avait la grève d'Air France. Donc, au dernier moment, ils ont essayé de goupiller quelque chose. Mais ça, c'est, logistiquement, ça a été très difficile. Non, ils vont sur mais les confrères sont arrivés avec les vols commerciaux, enfin les vols commerciaux sont avec eux. Tout le monde n'est pas arrivé à la même heure, sûrement le premier avion.
de l'harmonie. C'est juste pour ça, ça intéresse quelqu'un. Ah bon, ils apportent des trucs que nous. Si jamais vous avez des infos. Ah ouais. Ça c'est une figure. Ah das sieht auf der rechten Seite aus, denke ich. Ah, okay, na, okay, alles klar. Ich dachte, wir wären jetzt gleich schon am Interconti, deswegen. Nee, nee, wir sind noch auf der anderen Seite des Kanals. Ja. Ich kann auf rechts aussteigen, ja, das ist, das wissen Sie am besten, das ist einfach nur, weil ich gerade verwirrt war. Ich dachte, wir fahren noch zum Interconti. Ach so, nee. Maritimbar. Ja. Maritim, okay. Hm?